Salut mes amis, ça fait 2 jours. Hein? Ouais, c'est moi, Defo Star. Hello my people, c'est Defo Star. Today we're gonna talk about what's been going on the past weeks, the past days, things that's been going on, and I haven't been, you know, free to probably talk about it as soon as it came to surface. On va parler aujourd'hui des choses qui se sont passées il y a une semaine, 2 semaines, des choses que j'ai pas forcément eu l'occasion d'en parler. Mais on va parler un peu rapidement pour essayer de s'affirmer, pour essayer de dire ce qu'on pense sur certains sujets. On va partir du côté de la Côte d'Ivoire. We're gonna go to Ivory Coast. We're gonna talk about Edoxi Yao. On va parler d'Edoxi Yao de la Côte d'Ivoire qui a fait du buzz. Edoxi a fait du buzz. Edoxi Rover. Moi, je ne comprends pas des gens. Ok? Là, notre soeur Edoxi vient. Elle dit on l'a acheté tout. On l'a acheté 2 voitures, 2 Range Rover. Mais les gens ne croient pas. Que ça ment. Edoxi ment. Elle ne dit pas la vérité. Ça fait même des. Les gens ont eu à faire des mèmes. You know, des mèmes. Je ne sais pas c'est quoi en français, les mèmes. Mais les gens ont eu à reposter des photos avec des Range Rover à côté d'eux, avec des voitures, puis ils ont mis les noms à côté. So, what happened is, obviously, there's a lady in the Ivory Coast called Edoxi Yao. I'm gonna put a video in a minute. The lady has been given 2 Range Rovers for a birthday, okay? But people didn't believe that she'd been given 2 Range Rovers and 20 million. I think 20 million she'd been given as well. So, my question is, what do they care? Like, somebody said that they gave her 2 Range Rovers for a birthday. What do you guys care? Okay? Pourquoi ça vous dérange que la go, elle vient, dit qu'elle a 2 voitures. On lui a donné 2 voitures. On lui a donné 20 millions, si je crois, 20, 21 millions. Where is you guys' problem? I don't understand. Like, votre problème, il est où? Elle ment, faut qu'on essaie de voir. Vous ennuyez, hein? Vous vous ennuyez même pour essayer de fouiller dans la vie des gens si elle ne ment pas. C'est pas elle qui a ses voitures. Si elle m'envoie le problème, il est où? C'est pas elle qui roule ses voitures. Elle ment, mais c'est elle qui roule ses voitures. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui allait démentir. Si elle n'a pas, elle n'a pas. Si c'est pour elle, mais c'est pas pour elle. Parce qu'elle a menti. Elle dit quoi, même elle dit si ces trucs-là. Moi, je ne la suis pas, mais elle dit si ces trucs, voilà. Elle a tous les papiers ont été faits et tout ça. Donc, pourquoi même ne pas être content quand quelqu'un est en train de réussir? You know? When somebody is trying to do good for themselves, why hating? Why hating? Like, she is having a blessings, okay? She's been given 2 cars. What do you guys care? You guys trying to see if she's lying, if she's telling the truth. I mean, this was ridiculous. I was watching and thinking, like, people have really time. You guys have time. Time to even investigate. To know if she's lying or not. Why can't you just take that time and do something better for yourself? Do something better for yourself. Because the time you are wasting, you could have been making something better for you. So that was the Ivory Coast. Ça, c'était à Abidjan. C'était Edoxi Yao. Je mettrai une vidéo d'Edoxi Yao. Donc, c'était ça. Les gens étaient en train de vraiment vous étiez en train de vous perturber. Cette perturbation-là, en principe, vous devez l'utiliser pour essayer de faire des choses pour vous-même. OK? OK, on va partir du côté du Nigeria. Un chanteur qu'on connaît bien qui s'appelle Dibanj. OK, we're going to go to Nigeria. OK, Nigeria. And we're going to talk about Dibanj. You guys know Dibanj, right? If you guys don't know Dibanj, vous connaissez Dibanj, vous? Oh? Vous connaissez Dibanj, non? C'est lui qui a chanté ça. So you guys heard about that song, okay? That was a hit. Like, how many years ago? Like, probably 10 years ago now. Okay, ça c'était une chanson qui a fait du hit. C'était un hit, je crois, 10 ans de cela.
Donc, dimanche, il a été accusé de viol. OK? He's been accused of rape. So, he was dancing not long ago. Dancing that obviously people are hating. People are just making allegations, you know, because obviously he's going through a tough time at the moment. And, you know, he just was dancing to let people know that whatever they do, they won't bring him down. Like, the allegation keep coming, gonna come, but he's not gonna, they're not gonna bring him down. So, ce que je disais, c'est que dimanche, j'ai été accusé de viol. Et voilà, il dansait dans une vidéo que j'ai vue, disant que tout ce que les gens sont en train de faire, ça va pas le rabaisser, ça va pas le, ça va pas, it's not gonna bring him down, like, it's not gonna bring him down, ça veut dire, ça va pas le donner un moral bas. Donc, ok, il a un moral d'acier, donc tout ce que les gens raconteront, ils s'en foutront de ça et tout ça. Voilà, c'était dimanche du Nigeria. Il y avait aussi Hush Puppy. Vous connaissez Hush Puppy quand même bien. Vous connaissez Hush Puppy qui a été arrêté à Dubaï. You know, you guys know Hush Puppy that's been arrested in Dubai. So, yeah, the latest news, there's videos released about Hush Puppy. Okay? And, yeah, you know, there's a video qui a été réalisée de Hush Puppy. We're gonna talk about Hush Puppy. Hush Puppy that's been arrested in Dubai. Okay? You guys know Hush Puppy, right? Vous connaissez Hush Puppy. Vous connaissez Hush Puppy, hein? Donc voilà, il y a une vidéo que je vais mettre de lui pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui le connaissent, regardons la vidéo. Oh, une minute avant qu'on ne regarde la vidéo. Pour ceux qui me regardent la première fois, souscrivez à ma page. Ok? Abonnez-vous. Je suis Defo Star officiel. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous avez les notifications à chaque fois que je fais sortir des vidéos. Et voilà, je suis Defo Star sur tous mes réseaux sociaux. Abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des situations que j'en ai en parlé. Et voilà, et dites-moi ça en commentaire. Comme ça, je sais que vous m'avez laissé un commentaire. Okay? For those that's watching me for the first time, don't forget to subscribe. Don't forget to click on the bell for any notification, any further notification. And yeah, follow me everywhere, the four star official everywhere. So, you know, let's not wait now, watch the video. All right. Hush Puppy, c'est un Nigérien, c'est un gars qui il a vécu. Franchement, ah, le gars, c'est l'argent qu'il avait. Il avait l'argent même. Il avait l'argent, il vivait même comme un pacha. Et personne ne savait ce qu'il fait. Il vit à Dubaï, il aimait les angoulis de la mort. Hush Puppy, c'est les Range. Il a fini même les Range Rover. C'est les. Tout ce que tu peux imaginer. Tout ce que tu peux imaginer, comme vous avez vu dans la vidéo. Voilà, so, you know, like you guys seen in the video. You know, Hush Puppy, he just. He was living. He was living, but it's unfortunate. Ah, well, I don't know if I should say unfortunate, but yeah, he's still a brother. So, it's unfortunate that somebody that was living a posh life like that. Gonna end up being beyond bars, you know. Voilà, je disais que c'est dommage que quelqu'un qui vivait une très belle vie comme ça va se retrouver derrière les barreaux, derrière les barres, en prison. Voilà, donc c'est bien que je sais pas quelqu'un que je vraiment suivais. Ça fait vraiment ça fait pitié, ça fait quand même un peu pitié. Donc, c'est juste aussi des conseils à nous donner. Hein. You know, si même nous sommes des boulangers, si nous sommes des menuisiers, contentons-nous de ce que nous avons, you know, contentons-nous de ce que nous avons, faut pas qu'on envie qui que ce soit, parce que voilà, les gens ils vivent leur vie, on sait pas ce qu'ils font pour avoir de l'argent, sans pour autant juger, mais voilà, essayez de faire les choses de manière catholique, comme ça, voilà, vous n'allez pas avoir des répercussions qui seront pas vraiment, de ce genre, ok? I'll just say that. You know, regardless, no matter what you do as a job, you know, as long as it's legal,
just content yourself with that job, you know. Don't envy anybody. Don't envy anybody because you don't know what people do for a living. You don't know what people really do to make their money. So don't be, you know, don't envy no one, because this is not the first time that's been happening on social media. Like, people claiming a life that, you know, they're illegally feeding. Do you know what I mean? So let's just be, you know, happy with what we have. You know, hustle. Let's hustle normal. You know, let's just hustle, you know, legally. Let's just hustle legally. You know, let's not do things that's gonna make us have some consequences of this sort. So, you know, sur ce, c'est ma vidéo pour aujourd'hui. Et on parlera une prochaine fois. C'était Default Star. Like the video. Tell me what you think. Tell me what you think about Hush Puppy. Like, what you guys think about Hush Puppy. That was me, Default Star. That's where I'm gonna end the video. And we're gonna talk again soon, okay? I'll speak to you guys later. Take care.